Eh bien bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur Zéronet TV et bienvenue ici à Bordeaux. Nous sommes à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux à l'occasion de ce nouveau Big Up for Startup. On va parler d'innovation ici dans le Sud-Ouest. Salut Jérôme. Salut François. Bonjour à tous. Vous le savez, nous nous promenons dans toute la France. C'est vrai. Pour vous faire découvrir le meilleur de la French Tech, les startups qui font bouger l'innovation. Alors effectivement, Bordeaux est un haut lieu de l'innovation technologique. Et aujourd'hui François, nous allons parler, devine, d'objets connectés. Bah oui, forcément, forcément les objets connectés, alors les objets connectés pour la maison et pour le fond de votre poche également. Oui, on va parler aussi de transport et notamment de places de parking. Vous savez que c'est de plus en plus compliqué de trouver des places de parking. Eh bien, une start-up essaie de remédier à ce problème. Et puis, on parlera également de la manière de connecter, eh bien, d'aller encore plus loin en connectivité, en connectant tout à la fois dans les entreprises, dans les exploitations agricoles, grâce à, là encore, un spécialiste de la région. Et voilà, et toutes ces startups sont ici, du cru de Bordeaux, comme quoi l'innovation n'est pas qu'à Paris, loin de là, bien au contraire. Pour débuter, nous allons recevoir Agnès Granger. Bonjour Agnès Granger. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice régionale de La Poste et vous êtes marraine de la French Tech Bordeaux. Alors c'est vrai que La Poste est une fois encore très associée de très très près à cet événement. Hein. Oui, tout à fait. Depuis le début, en fait, nous avons un projet de développement à La Poste et il nous a semblé intéressant, dès le départ de la French Tech, de pouvoir porter le dossier de candidature pour pouvoir travailler à la fédération de l'écosystème, faire une sorte d'union sacrée avec des startups, des ETI, des PME et des grands groupes comme La Poste pour construire les bouquets de services qui allaient faciliter la vie des citoyens demain, par tous, pour tous, tous les jours, en proximité, en confiance, comme le symbolise le groupe La Poste. Et c'est vrai, pour qu'on comprenne bien, que vous faites partie donc de ces grands groupes qui accompagnent les startups au quotidien en France et puis au CES de Las Vegas. C'est devenu une habitude. Ça fait combien d'années que vous êtes au CES? Bah écoutez, ça fait 3-4 ans qu'on est au début, CES. On ne savait pas ce que vous faisiez là-bas. Hein. Oui, c'est vrai. Nous, on le savait. Et en puis fait, maintenant, on n'arrive plus à se passer debout. Presque. Voilà, tout à fait. Je pense qu'on a aussi fédéré l'écosystème autour français autour de la présence française dans ce plus grand salon mondial de l'innovation numérique en y emmenant à la fois des grands groupes partenaires comme Le Grand, par exemple, et puis aussi des startups qui répondaient à nos appels à projets, en particulier notamment l'appel à projet French pour pouvoir faire cette convergence de compétences entre des services proposés numériques ou en tout cas qui nécessitent de l'innovation par des startups et puis la mise en marché et l'accompagnement industriel du passage au marché d'un grand groupe comme La Poste avec notre hub numérique qui permet de loguer les services pour des utilisateurs qui sont les clients de La Poste. Qui était la première innovation que vous aviez présentée au CES d'ailleurs, qui avait justifié votre première participation si tout je me fait. Souviens bien. Voilà. Alors, origine. Voilà, et à noter qu'on sera au CES de Las Vegas avec La Poste pour découvrir eh bien, la crème des pépites des startups françaises. Ce sera à partir du 4 janvier prochain, on y sera. Agnès, alors parlez-nous un peu de la French Tech Bordeaux. Hein, on a l'impression, parce qu'il y a énormément de startups qui sont même devenues aujourd'hui de belles entreprises dédiées aux nouvelles technologies qui parfois ont un rayonnement international ici. Hein. Allez, brossez-nous en quelques secondes un petit peu le profil des startups bordelaises. Alors, en fait, depuis 3 ans, nous avons un événement comme celui-ci. Simplement, au début, en plus, nous avons un temps magnifique. Excusez-moi, je vous coupe. En ce moment, on a un temps presque printanier là. Oui, c'est génial. On n'a pas envie de partir. Hein. Non, venez. Vous êtes... Jérôme, on reste. C'est ça, le Sud-Ouest. Nous allons vous accueillir. Voilà, venez dans le Sud-Ouest. Donc, en fait, on a d'abord travaillé à fédérer l'écosystème et à le mettre en lumière. On s'est aperçu qu'on avait à la fois des grands groupes structurants, alors comme l'action du groupe La Poste, mais aussi des groupes comme Cdiscount, qu'ensuite on avait de très belles ETI ou PME qui étaient leaders à l'international ou en France. Rappelez-nous ce que c'est ETI. Alors une ETI, en fait, c'est une entreprise, mais qui a une certaine taille, donc à plus de 250 personnes, de 250 à 1000 employés. Donc c'est plus la start-up. Voilà, c'est plus la start-up. On a la start-up, la petite entreprise, la PME, l'ETI et après plutôt des groupes. Donc on a travaillé la structuration avec les groupes. On a travaillé aussi la structuration et la fédération de l'écosystème, plutôt des PME et des ETI. Et donc on s'est aperçu qu'on avait de très belles pépites, comme par exemple Concours Mania, B2Tomorrow, Aquitem, donc des entreprises quand même très installées, qui sont présentes dans la première bulle internet et qui ont aujourd'hui plus de 20 ans et qui sont consolidées. Et puis on a travaillé avec l'ensemble de ces plutôt grosses entreprises, a travaillé la fédération de l'écosystème des startups. Et là on s'est aperçu qu'on avait 30 000 emplois, 7800 entreprises qui étaient des start-up et là plutôt 80% d'entre elles avaient moins de 10 personnes, moins de 5 voire moins de 3 à 2 personnes et étaient vraiment des petites start-up et qu'il fallait les accompagner pour passer du prototype
au marché, du concept à l'industrialisation du concept, et qu'on avait à travailler ensemble. C'est toujours la phase critique, ça. L'idée au concret, en fait. Et donc, on est passé de la fédération il y a 3 ans à aujourd'hui, eh bien, Big Up for Startup, qui permet ce travail de convergence pour accéder au passage à l'échelle du marché, de la technologie ou du financement. Rappelons, Agnès, le concept de Big Up for Startup, c'est les startups qui rencontrent justement les grands groupes, qui viennent faire le déplacement, qui viennent ici. Oui. Pour une fois, ce n'est pas l'inverse. Hein, ce n'est pas les startups qui viennent à Paris. C'est ça. Et j'allais dire, elles font leur marché. C'est un peu péjoratif. C'est un peu ça. Alors, c'est ça, hein, c'est finalement. Ça. Au début, c'est un peu comme une rencontre amoureuse. On ne se dit pas tout. c'est le dating. Voilà, c'est le dating. C'est ça. Et puis après, il y a une deuxième partie sur le Big Up for Startup où là, on se rencontre en face à face et on va commencer à parler plus en concret des points de convergence qu'on peut avoir et de comment on construit du business ensemble pour aller répondre de nouveau. Notre question à nous, Groupe La Poste, c'est comment on rend la vie des Français plus pratique, plus fonctionnelle et comment on le fait ensemble à partir de l'agilité des startups et en apportant, nous, notre capacité d'industrialisation. Très bien. Et de mise en marché. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir justement quatre exemples. J'allais faire une énorme faute. Là. Oui. Quatre exemples, c'est pas bon. Hein. Je ne l'aurais pas laissé passer. Exemples, hein. Celle-là, justement, de l'innovation bordelaise. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous. Merci. Et on parle tout de suite d'objets connectés. Voilà. Avec une serrure connectée, Jérôme, que nous allons découvrir tout de suite en compagnie de Jean-François Charrier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous représentez la start-up e-Loki. Absolument. Alors, le nom est clair et net. Hein. Oui. I comme I, parce que tout est I dans cet univers-là. Voilà, à partir de I, c'est connecté. Oui. I, c'est E, hein, voilà. Vous m'avez compris. E-Loki, c'est le, voilà, to lock. Et alors là, vous nous avez apporté, donc, qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, c'est un barillet au format européen. Ah oui, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Donc, un cylindre de serrure qui va venir en lieu et place sur une porte existante du barillet que vous avez et que vous allez pouvoir installer en moins de 2 minutes. Et sur n'importe quel barillet ? Sur n'importe quelle serrure équipée d'un barillet au format européen. Mmh. Donc, c'est ce format-là. Parce que vous savez qu'on est un pro des serrures connectées avec Jérôme. Il ne faut pas nous la faire, attention. Il ne faut pas nous la faire. On en a testé avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Hein. Exactement. Parce que ce n'est pas un key turner. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi ? En fait, c'est un barillet. Un key turner ? Un key turner, c'est une serrure connectée. Moi, je connais Tina Turner, mais key turner, je connais pas. Un tourneur de clé ? C'est un tourneur de clé, exactement. Et c'est des produits qui existent depuis 10 ans aux États-Unis. Oui, qui sont motorisés. Exactement. Moi, ça n'est pas motorisé. Ah bon ? En fait, on peut l'activer de manière smart avec son smartphone, mais derrière, on l'actionne manuellement en tournant ce petit bouton. Alors, ce n'est pas facile avec deux mains pour tenir je vais faire la démonstration. Mais on a des images, si de toute façon. On a des images. On a des images. Mais alors, donc, pardon, mais allez, ça sert à quoi, si vous me le tenez, c'est parfait. Jérôme, pose des questions, je fais la démo. Ça marche. Oui. Donc, côté intérieur. On a une petite vidéo qui nous montre. Voilà. Côté intérieur, vous ouvrez. Et vous fermez, vous verrouillez votre porte sans problème. Côté extérieur, ici, ça tourne dans le vide. Si vous tenez le paneton ici, ça tourne dans le vide. D'accord ? Donc le petit côté. Voilà. Et il faudrait que Jean-David nous remontre alors les images. Voilà, JD, de voilà. Cette fameuse clé. Alors voilà, ça c'est on l'a refait. Voilà, donc côté extérieur, ça tourne dans le vide. Voilà. Ouais, okay. Et vous allez l'activer soit avec un badge, soit avec un smartphone. Donc je peux l'activer devant vous avec un badge par exemple. Et là, vous l'avez entendu sonner. Et là, quand je tourne, vous sentez que ça s'ouvre. Oui. C'est magique. Ah oui, vous m'avez coupé le doigt, mais tout va bien. Et bien voilà. Non, je plaisante. Et donc, c'est-à-dire que vous l'avez verrouillé, déverrouillé, exactement. C'est ça ? Exactement. Ah, il ne tourne pas tout seul, mais il se verrouille tout seul. L'avantage, c'est que du coup, ça remplace la clé. Ça remplace la clé. Mais c'est génial, votre truc. Et surtout, si vous avez une poignée avec un relevage manuel qui doit verrouiller 3, 4, 5 points, vous mettez la force qu'il faut, là où les key turners, des fois, oui, ils sont exactement. Et puis donc, on a besoin de très peu d'énergie. Très peu d'énergie. Pour que ça fonctionne. Donc, en fait, si. Voilà, c'est pas comme un key turner, justement, où si on n'a plus d'énergie, là, on reste dehors. Exactement. Je sais parce que ça m'est arrivé une fois, mais il ne faut pas le répéter. Voilà. Non, il faut le dire aux gens qui nous regardent. C'est vrai qu'il y a des serrures connectées qui sont censées tourner et qui n'ont pas assez de force pour activer tous les verrous. Faites attention si vous projetez d'acquérir ce type de produit. Nous, on tourne à la main et à l'intérieur, on a juste une demi-pile à A qui va tenir 3 ans, là où mes collègues ont du mal à tenir 1 an. D'accord. Et ça surveille la porte en même temps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si quelqu'un essaye de forcer la serrure, forcer la porte, vous avez une notification en temps réel sur le smartphone. Pourquoi ? Il y a un accéléromètre à l'intérieur qui va détecter qu'il y a des mouvements un peu bizarres. Exactement. C'est ça ? Et que quelqu'un manipule la serrure sans avoir les droits. Ah ouais, d'accord. Mais ce n'est pas connecté à Internet. Ce n'est connecté qu'au smartphone. C'est connecté au smartphone en Bluetooth, mais on peut l'activer à distance en positionnant à côté une petite passerelle qu'on vend aussi, e-Loki Box, qui va faire la connexion à notre plateforme de service web. Mais donc, typiquement, Jérôme arrive chez moi, moi je suis à la maison, oui. Il n'a pas la clé, je peux lui ouvrir à distance. Exactement.
D'accord. Sans qu'il ait la petite carte. Exactement. Vous activez à distance, il va entendre le bip et il tourne, il manipule, d'accord. Il ouvre, il verrouille. Déverrouille à distance. Exactement. C'est pas ce système qui permet d'envoyer les droits à quelqu'un d'autre sur son smartphone. C'est possible aussi. D'accord. Okay. Aussi, c'est exactement le même principe. Mais alors pourquoi, parce que je vais me faire un peu l'avocat du diable, vous dites que c'est pas un Keturner et vous avez l'air de vous en féliciter. Oui. Malgré tout, c'est pas mal quand ça marche, ce système automatique. Mais pourquoi avoir fait ce choix, vous, alors? La bonne remarque, c'est quand ça marche. Oui. Et nous, l'avantage, c'est que ça marche tout le temps. Et ça s'adapte sur 100% des serrures qui ont un barillet au format européen. Ouais. Non, mais l'avantage, c'est vrai que là, tu as quand même le côté rassurant d'ouvrir et de fermer toi-même ta porte. Parce que c'est vrai que pour en avoir testé quelques-unes, tu sais que je t'avais raconté quand même deux, trois mésaventures qui me sont arrivées avec ce genre de système. C'est vrai que c'est très... On peut raconter que tu as dû passer par le toit, c'est ça, pour rentrer chez toi. Voilà. Exactement. On vous fera une vidéo un jour. Pour tout vous dire, j'étais un peu Tarzan. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt un système qui est rassurant. Mais en revanche, je pousse le truc un peu plus loin. Oui. Il n'y a plus du tout de pile. Là, je suis cuit. Je ne peux pas rentrer. Comment je fais pour rentrer? On a une clé physique de secours et vous avez un petit barillet de secours caché sous ce bouton, ici. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. D'accord. Ici. Oh. Qui lui déborde en fait. Donc, qui est juste affleurant, qui est juste accessible de l'extérieur et dans lequel on va pouvoir positionner une clé physique. Et ça, donc c'est on n'est jamais coincé. D'accord. Donc c'est. C'est pas mal. Vous dites 100% des portes. 100% des portes équipées d'une serrure au barillet européen. Va falloir qu'on essaie, Jérôme. Oui, parce que moi, j'avais essayé de mettre une serrure connectée et ma porte n'allait pas. Bon, c'est vrai que les châteaux 18e sont un peu difficiles à équiper. Mais c'est vrai que ton pont-levis n'est pas tout à fait aux normes, si je puis me permettre. C'est pas fou. Vous en êtes où? Alors, donc, vous voyez qu'on a un prototype pré-industriel. On en a vendu environ 200 exemplaires sur Kickstarter le mois dernier. Oui. On poursuit les préventes sur notre site. Quel prix? Et on lance la première serrure industrielle. À quel prix? La serrure seule est à 298€, prix public TTC. Et si on veut pouvoir ouvrir à distance, avoir des notifications d'alarme en cas d'intrusion, il faut rajouter l'Hilo Keybox à 99€. TTC toujours. D'accord. Et donc, vous avez dit que ça sortira quand pour le grand public? Donc, on livre les premiers exemplaires donc à nos clients Kickstarter fin mars, début avril prochain. Et puis derrière, c'est pas last in, first out, c'est first in, first servi. Voilà. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on souhaite bon et vent c'est à fait Hiloki. Bordeaux. Et c'est fabriqué, c'est conçu à Bordeaux et ça sera fabriqué près de Périgueux. D'accord, ah oui, voilà, 100% français alors. Made in France. Et du vrai made in France. 100% sud-ouest aussi, visiblement. Et 100% sud-ouest. Ça, c'est cool. Exactement. C'est très bien. Super, très bien. Bon, voilà. C'est bien sympa d'innover à Bordeaux, c'est cool. Oui, non, on est mieux à Paris quand même, non, pourtant? Non, on est vachement mieux. Oh, non, mais j'essaie de les convaincre, mais tu vois, on n'y arrive même pas. Non. Bon, merci beaucoup Jean-François. Bon, merci à vous en tout cas. Pour Hiloki, on va suivre ça. Attendez, on va y aller, vous inquiétez pas. Il est pressé parce qu'il a une porte à ouvrir, c'est pour ça. C'est ça. Et on enchaîne, et on va parler maintenant encore d'un autre objet connecté. Encore d'objet connecté, un objet connecté à glisser au fond de votre poche. Merci. Et nous allons maintenant parler de Gabis. Alors Gabis, c'est peut-être une marque que vous avez déjà entendu parler, puisqu'on on a déjà évoqué Gabis, oui, en fait, c'est vrai, à la fois sur Zéro Net TV. Et on va en parler avec Anne-Sophie Guéjard, qui est là. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bonjour, merci de participer à ce Zéro Net Live spécial Startup à Bordeaux. Anne-Sophie Guéjard, vous êtes responsable marketing et commercial de Gabis. Oui, tout à fait. Qui est donc, alors j'ai envie de dire, l'une des nombreuses, malgré tout, startups sur ce créneau des porte-clés connectés, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Exact. Porte-clés connectés et maintenant aussi badge qui permet de verrouiller et de déverrouiller les PC. Ah, on va en parler. Ah oui, ça évolue. Donc ça évolue. On voit que voilà. Voilà. Au départ, parce que Gabis existe depuis combien de temps? Alors depuis 2 ans. 1802. Exactement. 1802, au tout début du Bluetooth. Voilà. Ça, c'était le premier produit. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc petit. Je vais vous faire une confidence. Noël dernier, ou il y a deux ans, je vous en ai acheté 4 d'un coup. Oui. Je me suis ruiné. C'était sur votre site. Client à l'époque. Ah, oui, c'était vous. C'était moi. Voilà. Ouais. Parce que poursuis ton histoire. Non, mais c'était bien. J'ai beaucoup aimé le design. J'ai eu un petit peu plus de mal avec la configuration technique à l'époque. Mais je pense que ça a dû beaucoup s'améliorer. Oui. Il y a eu une nette évolution. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités aujourd'hui. Notamment, vous pouvez mettre donc la barrière virtuelle. Vous pouvez prendre vos photos également. C'est quoi la barrière virtuelle? C'est-à-dire que dès que vous vous éloignez de plus de 15 mètres en extérieur, vous pouvez être... Mon smartphone bip pour me dire que t'as oublié ta clé.
Exact. D'accord. Ma clé ou autre chose? Oui, ou autre chose. Votre sac, vélo, ouais. Votre scooter, votre moto, votre valise, ouais, ta tout. Ta fille, enfin... Voilà. Oui, voilà. Exactement. Ça, c'est vrai qu'on j'ai oublié souvent mon enfant filles, à la maison. La non, pas ta femme. Comment non. On va pas tomber voilà. Dans ces trucs-là. Alors, ça, c'est quoi ça, c'est, donc, c'est un petit... tout petit appareil, voilà, un tout petit badge, j'allais dire. On voit que vos concurrents, par exemple, on prend Wistiki, qui fait à peu près la même chose que ce que vous faites, a plusieurs formes de sticks, en fait. Il y en a qui sont ultra fins qu'on met dans les portefeuilles, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus gros. Vous restez sur ce format-là? Oui, alors ce format-là était très pratique. Oui. On pourra à l'avenir le faire évoluer, mais on préfère se concentrer sur nos prochains produits. D'accord. Voilà. Donc, du Bluetooth à l'intérieur, hein, exactement, du Bluetooth Low Energy qui permet de pas trop consommer en batterie et qui permet de rester connecté constamment à ses petits objets, à son gabis. Et donc on me dit où sont mes clés quand je suis chez moi, dans mon appartement, si elles sont tombées derrière un coussin par exemple. Mais si je suis à l'extérieur de chez moi, là ça marche plus du coup. Si, alors en fait, vous avez différentes mais tu vois, différentes en fait, façons de faire. Comment ça non, j'aurais dû lire le mode d'emploi. Non mais heureusement que nous avons Mademoiselle Gablis qui est là parce que franchement. Alors en fait, votre Gablis vous montre quel est le lieu. Le dernier lieu où il voilà. Était quand j'étais avec exactement. Lui. Exactement. Ouais, il compris. Vous suffit de retourner sur le puisque lieu, il se reconnecte. On est d'accord que c'est là, le smartphone qui s'occupe de la géolocalisation. Exactement, hein exactement. Donc c'est par le GPS. Donc par le GPS du smartphone. Voilà. D'accord. Mais c'est pas un tracker, donc ça fonctionne avec le Bluetooth. Et dès que vous repassez à l'endroit du lieu de la perte de connexion. Non, mais ça, c'est vrai que quand tu as perdu une fois tes clés, oui, mais alors, je jette là-dessus. Hein. C'est magique. C'est vrai que ça fait quelques années que ça existe. Et au début, moi, j'étais déçu un petit peu de l'expérience utilisateur de ce genre de produit parce que des fois, ça ne marchait pas sur mon iPhone. C'est vrai que ça se déconnectait. Des fois, voilà, il n'y avait plus de batterie. Il y a eu des progrès qui ont été faits techniques sur ce genre de produit depuis 2 ans. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a eu des mises à jour? Ah oui, il y a eu énormément de mises à jour, ça d'accord. C'est sûr. Après, je ne sais pas quel est le genre de soucis que vous pouviez rencontrer. Typiquement, parfois, j'éloignais mon téléphone de mon porte-clé, il ne le détectait pas en fait. Il ne détectait pas que je m'éloignais. Des fois, d'accord. Ça ne marchait pas en fait. D'accord. On vit dans des environnements compliqués aussi, qui sont plein d'interférences. Oui, mais on n'est peut-être pas les seuls. Ça y est, moi j'ai localisé mes trousseaux de clés, c'est très bien chez moi. Parfait. Donc, ils sont en train de partir. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Il bouge. Vous détectez et puis. Maintenant, vous pouvez parler à vos objets, ils vous répondent. Et ça, c'est vachement bien. Ils vous répondent. Ouais. C'est-à-dire ils vous répondent. Ils bipent. Voilà, ils bipent. Ah, ils bipent. Ils font pas la conversation. Ils vont pas nous parler. Non, ils communiquent. D'accord. Okay. Vous pouvez leur parler si vous voulez. Très bien. Alors, la deuxième voilà. Innovation, alors, c'est Grablis Lockit. Exactement. Ça, c'est le Lockit. C'est pour verrouiller et sécuriser votre PC. Que vous soyez auto-entrepreneur ou dans une grande boîte. C'est le premier produit dont on vient de parler. Donc, on va passer maintenant au suivant. Mm-hmm. Si JD a les images, voilà, le voilà. Donc là, on a un joli Mac, superbe. Et donc, ça, c'est le Gablis Lockit. Alors, expliquez-nous. Exact. Alors, ça vous permet, par exemple, de ne plus vous faire troller par vos collègues dès que vous allez prendre un café. Ah, c'est-à-dire oui. Que vous vous éloignez de votre poste de travail. On s'éloigne de son poste de travail, il y en a un qui arrive, qui poste un message à tout le monde en disant « Je suis en maillot de bain, rejoignez-moi voilà. » ou je ne sais pas quoi. C'est ou soirée à la maison ce soir. T'as de drôles de potes quand même. Hein. Enfin bon, je vais allons-y. Je crois qu'on a les mêmes. Et donc, voilà, ça vous permet de verrouiller et déverrouiller automatiquement votre poste de travail, que vous soyez donc, je l'ai sur moi. Quand je m'approche de mon ordinateur, il se déverrouille. Quand je m'éloigne, il se verrouille. Exactement. Ouais, exactement. C'est bien, ça. Et donc, ça va de la petite intrusion, comme le collègue qui veut faire une blague. Au méchant, qui veut faire des choses plus graves. Voilà, qui veut récupérer des données. Et là, vous avez donc possibilité d'enclencher la fonctionnalité prise de photo qui envoie à l'adresse mail donc pour voir qui prend possession, qui prend la main sur le PC. Mais alors, qu'est-ce que j'installe sur le Mac ou sur le PC? J'installe il faut un produit hardware ou est-ce que c'est simplement un petit programme que non, je dois installer? C'est un petit programme, c'est une petite application. Donc j'ai pas quelque chose à brancher sur le port USB de mon PC. Alors pour les Mac, vous avez rien à faire. Pour tout ce qui est Windows, on a un petit dongle qui simple, se met hein, sur. C'est bizarre. Alors c'est en train de changer. Il en profite. Vous avez un petit dongle à mettre donc sur le port USB pour permettre d'être connu. Par exemple, je veux pirater votre PC. Mm-hmm. J'enlève le petit dongle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux malgré tout après reprendre la main sur le PC ou ça bloque pas. Tout? Non, vous pourrez c'est pas. C'est une bonne question. D'accord. Ben oui. Non, vous pourrez pas parce que vous aurez donc la notification, d'accord. L'alerte. Et en plus, la photo et tout?
Oui, voilà, il faudra sourire. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça qui est rigolo, c'est que en fait, dès que tu essaies de trafiquer sur le PC de quelqu'un, bah, paf, on te prend en photo. Ouais. C'est rigolo hein, quand même. Hein. Donc c'est plutôt pour les entreprises, on est d'accord, ça. Hein. Alors, vous avez. Parce que la maison, bon. Vous pouvez très bien être auto-entrepreneur et vous ne faites pas attention. Voilà, vous pensez que vous êtes chez vous. Et malgré tout, ça peut être important. Il y a le chat qui passe par là, qui envoie un mail, un mauvais mail à un client. C'est ça, voilà, embêtant. Miaou. Bon, et ça coûte combien? Alors, là, actuellement, on est à 44,90 sur le Lokit. D'accord. On est en plein stade de commercialisation sur le Lokit. On est un petit peu. Ça a commencé. Voilà. Développement terminé, etc. Voilà, le développement est terminé. Là, on démarre commercialisation. D'accord. Et le petit tracker normal? Alors, le petit tracker normal, lui, il est mature. Alors, on le laisse faire sa vie tranquillement. On développe, on continue. Le prix. Alors, vous avez la version premium comme celui-ci, qui est à 34,90. Mm-hmm. Et la version premium, il fait quoi de... Alors, le premium, il a la fonction anti-vol, la fonction donc thermomètre et shut-on qui vous permet de prendre les photos, de changer les télécommandes, etc. Voilà, en plus. Okay. Voilà, donc cette version-là est à 34,90 et la version light, donc sans ces options-là, est à 24,90. Parfait. Eh bien, très bien. Voilà super. Pour Gablis. Pur produit bordelais de Bordeaux, Gablis. Exact. D'accord. Exact. Pur de Bordeaux. Parfait. Bah, très bien. Voilà encore beaucoup. Gablis, donc. Et Jérôme, maintenant, on va parler de parking. Oui, enfin, dit comme ça, c'est pas très amusant. Attendez, mais le parking, c'est important quand même. Hein. Forcément, si vous êtes automobiliste, vous êtes confronté à ce problème. Comment trouver une place de parking? Eh bien, heureusement, la techno peut nous aider. Nicolas Masson nous a rejoint. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Vous êtes CEO donc de Parking Facile. Absolument. Parking Facile, au moins, ça dit bien. Bien, au moins, voilà. On sait qu'on ne va pas parler de cuisine ou de. Ah si, je sais pas quoi. Ah oui, aussi. Zut, merde. Pardon, zut, il ne faut pas dire de gros mots devant la caméra. Alors, Parking Facile, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une application mobile qui propose aux automobilistes d'accéder à des parkings privés avec un simple téléphone. Donc, effectivement, c'est une appli, c'est aussi un serveur vocal pour les personnes qui n'utilisent pas d'application. Mm-hmm. Le concept étant de dématérialiser entièrement le contrôle d'accès. Donc, pas de bip, pas de remise de bip, pas de remise de clé, aucun contrôle d'accès physique. Ce qui signifie qu'on va pouvoir louer des places de parking privées. Donc, on est sur des places privées. Moi, j'ai un box à la maison qui est vide la journée parce que je suis au travail. Je vais pouvoir le louer. Exactement, vous allez pouvoir le louer. Alors, vous êtes particulier, du coup, dans ce cas-là, on est en train, justement, dans notre développement maintenant, de travailler avec des particuliers. Prioritairement, on s'est développé avec des bailleurs sociaux et avec des entreprises. Parce que c'était. Oui, parce que c'est peut-être plus simple. Voilà, exactement, puisqu'un seul interlocuteur pour un grand nombre de. Plus de places aussi disponibles. Voilà, exactement. Mais d'accord. Effectivement, maintenant, on travaille avec des particuliers. D'accord. Et donc, c'est des locations pour de courte durée, c'est-à-dire c'est vraiment du park sharing. Enfin, c'est du park sharing, exactement. Donc, on propose plusieurs types j'ai du vocabulaire. Ah ouais, non, mais là, c'est niveau parking, je suis incollable. Ah ouais. Mais effectivement, on propose de tout. Donc, de la courte durée, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, également du mensuel, donc du mensuel plein et du mensuel partagé. Tout besoin est que vous avez des stats là-dessus? Il y a combien de places de parking qui dorment vides? À l'échelle d'une métropole, on estime qu'il y en a 2000. Là où on a, en comparaison, 10 000 places de parking, à la fois en ouvrage et en voirie. Donc, il y a 20%, on peut augmenter de 20% ce parc, seulement avec des places 100% vacantes. Alors qu'au-dessus, c'est saturé hein enfin, alors, Ah oui, exactement. En voirie, on est saturé. Mais là-dessus, on n'est que sur de la place vacante. Et après, en réalité, sur de la place qui serait partagée, donc typiquement, la journée, quand vous partez, votre place qui est libre, là-dessus, on peut doubler le nombre de places, donc on peut être à 10 000. Enfin, c'est-à-dire par rapport aux 10 000 en offre publique. D'accord. Nous, on estime qu'on peut doubler l'offre. Mais comment faites-vous pour autoriser quelqu'un à rentrer dans un parking qui est privé, malgré tout? Voilà. Oui, s'il faut un bip pour entrer dans le parking. Comment détecter que c'est la bonne personne collectif. Enfin, expliquez-nous comment ça marche. Alors, on pose un boîtier connecté sur le portail. Donc ça, c'est invisible pour le client et dans l'expérience utilisateur. Oui, mais alors dans un immeuble, il faut l'avis de la copropriété. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec des bailleurs sociaux et des entreprises. Et que maintenant, on travaille avec des particuliers puisqu'on a réussi à mettre ça en place dans quelques copropriétés. Et on a également expérimenté ça avec un bailleur social où ce sont les locataires qui mettent leur place à disposition. Et l'expérimentation a très bien fonctionné. Donc maintenant, on le duplique sur d'autres parkings. Quel avantage par rapport à un parking traditionnel, classique? C'est beaucoup moins cher. On est 40% moins cher que les prix de marché. Et vous avez aussi la capacité de réserver votre place à l'avance. Donc vous êtes sûr que votre place vous attend, notamment dans des déplacements programmés type train ou avion. Et puis donc j'imagine que vous reversez une partie de cet argent
au propriétaire du parking. Oui, c'est ça. C'est le modèle économique avec une rétro-commission sur chiffre d'affaires. Donc, aucun risque financier. J'ai une place de parking. Je veux, comme disait François, la mettre à disposition dans la journée, mais pas la nuit, par exemple. Combien ça va me rapporter? Ça peut vous rapporter jusqu'à 100%, mais c'est très difficile. Aujourd'hui, on est plutôt à 75% de ce que vous coûte le parking, donc sur le prix de marché. C'est-à-dire que si jamais votre parking coûte son prix de marché est de 100 € en mensuel plein, ouais, il peut vous rapporter, aujourd'hui c'est ce qu'on a à peu près en stade, 75 €. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui efface 75% votre coût de stationnement. Et vous en gardez l'utilisation néanmoins. Alors vous en êtes où aujourd'hui, parking facile? Je crois que à Bordeaux ça fonctionne. Exactement. Et aujourd'hui justement on fait notre ouverture nationale, donc où on ouvre 6 nouvelles villes, dont Strasbourg, Toulouse et Nantes. Et on a d'autres grandes villes, on a également Orléans, La Rochelle et j'en oublie une, Rouen. D'accord. Voilà, donc ça c'est, toutes ces villes-là sont aujourd'hui même en ouverture avec un nouveau site Paris, internet. Hein, pas sur Paris. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de stationnement. Quoi. Voilà, exactement. Vous y travaillez, j'imagine. On y travaille, exactement. Maintenant, on a aussi, il y a une concurrence qui est assez forte et donc on est dans une stratégie de renouvellement. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes sur un secteur où ça bouge beaucoup. Exactement. Il y a beaucoup de start-up, beaucoup d'innovations, beaucoup d'applications qui essayent de rendre ce genre de service. Oui, tout à fait. C'est difficile un petit peu de se démarquer, de faire son trou, j'allais dire. Alors, oui, dans un sens, non, dans un autre. Disons que effectivement, il y a beaucoup de startups et c'est super parce que c'est très dynamique, justement. Donc, on est sur de l'open data, on est sur de la mobilité en règle générale qui est en train d'évoluer et on s'inscrit tout à fait dans cette évolution-là. Maintenant, avec cette concurrence, on se retrouve aussi face à un marché qui est tout neuf avec plein de places de parking à prendre. Et finalement, prendre les places de parking, il faut prendre le marché. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et donc finalement, c'est notre métier en ce moment et notre priorité. Parfait. Eh bien, on souhaite bon vent donc à Parking Facile. Merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Merci Nicolas Masson. Merci. Toujours ici à Bordeaux, depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, pour à l'occasion de ce Big Up for Startup. Jérôme, on a encore une startup à découvrir. Oui, et nous allons encore parler d'objets connectés, mais vous allez voir, c'est passionnant, des objets connectés pour tous les domaines. Et nous accueillons Hubert Forgeau. Bonjour Hubert Forgeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO d'Aguila. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Aguila avec Jérôme? Parce que, voilà, on ne sait pas trop où vous allez, pour tout vous dire. Hein. On a compris plus ou moins que vous étiez dans les objets connectés. Mais quand on lit un petit peu le descriptif de ce que vous faites, vous êtes un peu partout, j'ai l'impression. Aguila est un pionnier des objets connectés, à savoir que depuis 2009, nous développons des objets connectés. Et ça, 2009 depuis 2009. Donc, nous sommes réellement des pionniers. 2009, on ne parlait pas encore de Sigfox. Il y avait peut-être un Navastag qui était... Exactement, on est de cette génération-là. Donc, nous sommes positionnés sur des marchés B2B essentiellement, qui nous ont permis de vivre jusqu'à présent, de développer des technologies de pointe très poussées dans des domaines tels que la sécurité, l'industrie, la logistique. Mmh. Et depuis maintenant bientôt 2 ans, on travaille sur des solutions beaucoup plus grand public pour démocratiser véritablement notre technologie. Alors que fait-elle votre technologie? Voilà. Quel type de produit? Parce que les objets connectés, en 2009, il n'y en avait pas beaucoup. Mais maintenant, excusez-moi de vous le dire, il y en a quand même un petit paquet. Tout à fait. Il y en a un certain nombre. Il y a également une nouvelle vague qui est le développement de nouveaux services basés sur les objets connectés. Pour nous, on ne parle plus de l'Internet des objets, mais plutôt de l'Internet des services. À savoir, on va s'attendre pas à avoir un objet connecté pour le positionner dans une voiture, pas du tout. Il faut oublier l'objet. Exactement. C'est l'expérience utilisateur. Donc, vous avez tout à fait raison. C'est l'expérience utilisateur qui prime, qui doit driver les fonctionnalités derrière de la solution. Et c'est l'utilisateur qui fera ou pas la réussite d'un objet connecté. Alors sur la philosophie, on est d'accord, on boit vos paroles, mais maintenant, concrètement là, qu'est-ce que vous avez en main, moi, je crois que j'ai deviné. Alors, je connais ce type de produit. Un caribou. Donc, un caribou. Vous voyez ça plus grand, les caribous, avec des cornes. Exactement. Celui-là, il n'est pas poilu du tout. Aguila est particulièrement performant, c'est dans notre capacité à miniaturiser une technologie. C'est un savoir-faire qui, depuis une dizaine d'années environ, se retrouve côté asiatique, que ce soit les Apple, les Huawei, etc.
sont des gros enfin, acteurs. C'est pas très asiatique, hein, mais pour la fabrication, l'assemblage, monsieur n'a pas tout à fait tort, si je suis permis. D'accord. Exactement. Merci de défendre le savoir-faire français. Donc, nous, à partir de ce savoir-faire français, on a voulu miniaturiser une technologie, d'une part, de géolocalisation, de transmission de la donnée, de communication également avec un smartphone, d'interface sur le smartphone pour transmettre les données. Tout cela dans un but de connecter votre véhicule pour un tarif de 100 $. Alors, c'est ce que fait ce Caribou. C'est ce que fait connecté, Caribou. Connecté, c'est-à-dire. Exactement. Donc, je le branche sur l'allume-cigare, sur la prise d'allume-cigare. Le Mans, c'est fait pour aller sur l'allume-cigare. Paf. Exactement. Voilà. Pourquoi la prime allume-cigare ? 100% des véhicules sont équipés d'une prise allume-cigare. Oui. Aucun risque de piratage, de bug avec le calculateur d'abord. Pardon, mais j'ai pas compris en termes d'usage à quoi ça sert. Il va le dire. Il est en train, tu vois, il commence. Je suis impatient, moi ça me. Enfin, cela dit, moi j'avais juste une petite question en préambule. Est-ce que ça se branche sur tous les allumes-cigares? Oui. Parce que dans certains allumes-cigares de voiture, c'est un peu comme ça, comme ça, comme ça. Et avec le truc qui dépasse là, vous êtes sûr que ça rentre dans tous les allumes-cigares? On a réalisé justement. Oui, sur les voitures modernes, parce que on a réalisé non, mais attends, je t'assure que parfois, c'est un peu compliqué. Tout à fait. C'est pour cela que la forme du Caribou est très particulière. On est sur une forme décentrée et également ovaloïde. Donc vous avez étudié tout ça. Exactement. On a trois ingénieurs qui ont planché pendant plusieurs mois pour tester, retester. Sur toutes les voitures du monde. Toutes les voitures du monde, la majorité des véhicules. Oui, ce serait mentir de vous dire qu'on a testé sur l'ensemble des véhicules. Donc une fois que ma voiture est connectée. Une fois que la voiture est connectée, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez savoir où elle se trouve. D'accord, géolocalisation. Okay. Géolocalisation du véhicule. Savoir si votre véhicule est utilisé à votre insu. Donc là, c'est des fonctions plutôt sécuritaires. Avoir des fonctions sur l'optimisation de vos parcours, dans le but d'optimiser votre budget auto. Connaître combien de kilomètres vous avez réalisé à des fins de loisirs, combien de kilomètres vous avez réalisé à titre professionnel. Mais ça, vous pourriez le faire avec la géolocalisation du smartphone. Bien évidemment. Et dans ce cas-là, quelle autonomie aurait votre smartphone ? Bah, il est branché dans la voiture. Oui. C'est une solution. Est-ce qu'en permanence, votre smartphone est connecté sur la voiture ? Le Caribou est né d'une expression de besoin d'utilisateurs d'applications mobiles qui était totalement insatisfait de l'utilisation d'applis mobiles qui consomment en permanence la batterie de votre téléphone par l'usage du GPS en continu. Et donc Caribou, c'est vraiment pour oublier que vous avez un objet connecté dans votre véhicule. Vous connectez votre véhicule et votre véhicule vient à vous. Alors en revanche, vous ne récupérez pas les données mécaniques sur la voiture. Effectivement, on a pris le parti d'être universel. Si les phares sont allumés, s'il reste de l'essence, si les pneus ne sont pas dégonflés, ça... On ne répond pas à ces problématiques-là. L'objectif de Caribou, c'est pour 100 $, avoir 80% des fonctions d'un véhicule connecté qui coûterait dans les marques premium plusieurs centaines de milliers d'euros, qui plus est, serait un véhicule neuf. Hubert, deux questions. Il existe d'autres systèmes qui font ça. On est d'accord. Alors qu'ils sont peut-être connectés sur la prise diagnostique. Du coup, tu récupères les infos techniques. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui font plus que ce que fait votre appareil. Tout à fait. Comme vous me parlez d'un élément assez technique, la prise diagnostique, qui est une prise que les constructeurs ont mis à disposition exclusivement pour les garagistes. Ça, c'était au début. Pour pouvoir analyser les problèmes se rencontrer sur le véhicule. Ça leur a échappé maintenant. Ça leur a échappé, sauf que ça n'a pas échappé aux constructeurs. Qui plus est, qui s'aperçoivent qu'il y a des risques de piratage des calculateurs de bord, c'est vrai, en passant par cette prise. Donc, à votre avis, c'est mal barré ce système-là ? On a pris le parti d'être totalement disruptif, de ne pas avoir cette approche, de ne pas y toucher, d'être totalement indépendant, d'avoir des capteurs qui régénèrent de la donnée. On a des accéléromètres, des gyroscopes, etc. On va régénérer de la donnée de façon totalement indépendante du véhicule. Et donc, cette donnée ensuite est traitée par des algorithmes de Big Data. La façon dont je conduis également ? Tout à fait. Je suis passé assez rapidement tout à l'heure. On a des fonctions de détection d'accidents, parce que ça, c'est un domaine dans le domaine du transport par autocar scolaire qu'Aguila a pu mettre en œuvre depuis déjà plusieurs années. Et donc, on met à disposition du grand public un système de détection automatique des accidents. S'il y a un choc, il va le détecter en fait. Exactement. Mais il y a une puce, il y a une carte SIM à l'intérieur ? Exactement. Vous avez une connectivité SIM incluse dans le boîtier qui permet d'avoir une couverture dès la
sortie donc au premier trimestre sur l'ensemble de l'Europe. Mm-hmm. Et sur fin 2017, les États-Unis et le Canada seront également proposés. Ça veut dire que votre appareil coûte 100 euros, enfin, ou 100 dollars. Oui. Et ça veut dire qu'il y aura un abonnement supplémentaire? Parce que si j'ai une carte SIM, il y a des chances pour qu'on ait un abonnement nous derrière. Nous commercialisons donc actuellement en pré-vente pour 100 euros le Caribou, comprenant 12 mois de service dans ce prix. Et donc le package, ensuite à l'issue, on met en place un abonnement qui est de l'ordre de 4 euros mensuels à l'issue de cette année d'utilisation. Ouais, c'est un peu le modèle de pas mal d'équipements, style Coyote aussi, etc. Voilà, et puis c'est qu'une petite partie de ce que vous faites. Oui, hein, voilà, parce c'est que ce que plein d'autres choses chez Aguila. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Aguila donc, est présente depuis, comme je le disais, depuis 2009 sur des marchés industriels, des B2B, technologies. Et là, vous êtes de plus point. Sur B2C avec on ça. Est plus sur du B2C. Néanmoins, on souhaite également proposer Caribou pour des utilisations professionnelles. D'accord. Et bénéficier donc de cet effet, de connectivité. Mais dans les exploitations agricoles, ça peut avoir du sens, par exemple, non, de savoir. Je sais pas moi, le tracteur, s'il a fait le bon chemin, etc. Enfin, je connais rien, mal le sujet, donc c'est pas la peine de me regarder comme ça. Les usages sont très multiples. Hein. Dans les prochaines semaines, on a plusieurs grands comptes qui, en avant-première, ont testé et ont acheté Caribou, qui communiqueront sur leurs usages. Effectivement, les usages de Caribou sont très larges. Très bien, merci beaucoup Hubert Forgeau, donc CEO d'Aguila, pour terminer ce Big Up for Startup, ici même avec La Poste à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux, Jérôme. Voilà, on vous a fait découvrir 4 startups bordelaises. C'est la French Tech dans toute sa splendeur. Un certain nombre d'ailleurs de ces startups qui sont présentes ici à l'occasion de cet événement bordelais se retrouveront en janvier à Las Vegas pour CES, où nous serons également et on reparlera encore de toutes ces innovations françaises. Beaucoup autour des objets connectés, on le voit encore aujourd'hui. Et puisque tu évoques le CES de Las Vegas, nous y serons le 5, le 6, le 7 et le 8, de 20h à 21h heure française, une heure de live depuis le stand de La Poste pour vous faire découvrir à la fois toute l'actualité du CES, mais aussi toute l'actualité de la French Tech et de toutes ces startups qui vont faire le déplacement. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci de regarder toutes nos vidéos consacrées aux startups sur 01net TV. Il faut se dépêcher parce que les lumières s'éteignent, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, on a perdu une lumière en cours de route. Là, voilà. Il faut Mais qu'on ça, s'arrête. Tout va bien, tout va bien. 01net TV, la chaîne des startups. Restez avec nous. À bientôt.